L'environnement médiatique des jeunes étant en constante évolution, il va de soi que nous devons repenser notre démarche pédagogique et s'adapter à cette culture qui les caractérise. Ainsi, munis de caméras numériques ou de tablettes, ayant accès à des applications permettant la coécriture et l'organisation graphique, à des plateformes web facilitant la communication, la validation des sources, le partage et la diffusion, ayant l'opportunité d'explorer le virtuel et la réalité augmentée, les élèves en processus de création de multitextes s'approprient les compétences en lecture, en écriture et à l'oral du programme de français langue maternelle de 5e secondaire. En effet, la compétence multimodale ou le multitexte touche la capacité à lire et à communiquer en combinant efficacement l'écrit, l'image et l'audio sur des supports médiatiques variés. Pour réaliser leur essai numérique multimodal, les élèves utilisent des applications gratuites qui leur permettent d'enregistrer leur voix, de se filmer, de prendre des clichés de leur scénario et de les superposer à la scène de crime par le biais du principe de l'incrustation fond vert. Ainsi, leur immersion fictive au bistrot Le Calvados confère du réalisme à leur plaidoyer. En effet, les différentes séquences produites par l'équipe ont pour intention de disculper certains d'entre eux, puisqu'ils ont assisté à la dite soirée à micro ouvert organisée par l'établissement qui a réuni, ce soir-là, plusieurs membres du cercle Thanatos, un groupe de jeunes poètes imaginé par M. Jacques Côté, auteur du roman L'étude, dont les thèmes d'écriture sont liés à la mort. À l'évidence, l'argumentation sera à l'honneur, principalement la stratégie réfutative. Je suis Dan Rouge, 19 ans. Moi, le 16 mai prochain, je vais retrouver sans vie au bistrot de Calvados. Fervent admirateur de Baudelaire, je m'irai souvent en compagnie d'amis afin de participer aux soirées poétiques à micro ouvert. Mon corps s'est découvert à minuit, gisant dans un placard au rez-de-chaussée par le propriétaire du bistrot, M. Pierre Vaillancourt, qui sera responsable de la fermeture ce soir-là. À la suite de la macabre découverte, il communiquera immédiatement avec le service de police.